du cinéma sur scène, parce qu'il y a des projections. C'est vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir par chez nous, malheureusement. Oui, c'est dommage. Oui. Peut-être un jour, peut-être. On va vous retrouver tout à l'heure, Petula. Okay. Parce que je crois que le public vous attend avec impatience. Mais restez avec nous, parce qu'on veut évoquer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez connu cela dans votre vie, mais Alain l'a bien connu, les orchestres de bal et de danse. Et alors, il y a plein d'images qui collent à la peau de ces orchestres, Alain. Et pourtant, derrière chacune des aventures d'un orchestre, il y a chaque fois quelque chose de plus. Absolument. Moi, j'ai fait longtemps du baloche, comme on dit par chez nous, à travers tous les coins de Suisse romande. Et ça reste, malgré tout ce qu'on a pu faire par la suite, une des plus belles périodes de ma vie. Mais souvent, ça me fait de la peine parce qu'on ironise un petit peu sur les musiciens de bal. Alors, c'était une école formidable. Il y a beaucoup de chanteuses françaises comme Patricia Cass, Liane Folly, Morane, qui ont commencé par du bal. Et c'est des gens qui vous font danser sans que vous les aperceviez, sans que vous les remarquiez. Puis pourtant, ils vous font plaisir. Et souvent, il y a des grands talents, mais il faut savoir les déceler. Alors, justement, regardez, écoutez, parce que ça va être un grand moment. Elle a à peine 15 ans. Elle est accompagnée de son papa, Bruno, et de Patrice, magnifique chanteur. Et tous les samedis, c'est les bals, c'est les soirées privées, c'est le rendez-vous avec la chanson. Et vous allez le voir, dans cette chanson-là, il ne faut pas faire une seule fausse note, sinon ça se sent tout de suite. Et vous allez le voir, Mélodie, c'est plus que prometteur. Découverte pour les coups de cœur d'Alain Morisot, Mélodie. Vive Perlée. La prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, entrata dentro che era stata, vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non mi ho peso. La musica, la scène.
Mélodie, Patrice, Bruno. Je ne sais pas, Mélodie, qui tremblait le plus, si c'est Bruno, si c'est toi, si c'est moi, parce que ben c'est un moment, j'imagine, important dans ta vie, hein. C'est la première grande TV, et je dois vous raconter, avant qu'on parle deux petites secondes ensemble, je dois vous raconter qu'il s'est passé un truc génial tout à l'heure dans les coulisses, quand Chico et les Gypsy ont pris la guitare et que vous vous êtes mis à chanter, hein, tous ensemble avec les Chico et les Gypsy. Qu'est-ce que vous avez chanté en fait? Moi j'ai chanté Céline Dion. Céline Dion, et t'accompagnais, c'était vraiment un moment magnifique. Alors c'est les balles, c'est, ou les soirées d'entreprise, c'est tous les samedis? Non, pas tous, enfin le vendredi et le samedi, puis ça dépend. Ouais. Et est-ce que c'est papa qui était musicien, qui t'a donné ce virus-là, la passion de la chanson? Ouais, je pense. Ouais, tu penses. Comment tu te sentais là avant de monter sur scène? Très paniqué. Et le maquillage, ça c'est aussi une chose absolument phénoménale. Vous voyez, par exemple, on peut tout corriger. Moi, par exemple, on peut m'améliorer, mais un petit peu seulement, au maquillage. Je veux dire, la tête d'œuf, tu peux pas changer grand-chose, hein. Ça fait toujours œuf. Mais tu te regardais dans la glace pendant le maquillage, tu dis, oh, mais je me suis jamais vu comme ça. C'est vrai? Ouais. C'était un moment complètement fou comme ça, dans toute cette préparation. Juste un mot, ton rêve, c'est quoi, Mélodie? C'est de pouvoir faire la musique que j'aime, pas du commercial. Enfin, quelque chose qui a mon style, puis de trouver quelqu'un qui puisse m'aider à m'ouvrir cette porte. Quelque chose qui a ton style, tu peux donner un exemple, c'est possible? En fait, je le cherche un peu. Ouais, ben voilà, c'est un bon exemple, donc si on peut t'aider à le trouver. Merci Mélodie, je crois qu'elle a mérité vos applaudissements nourris. Et on va retrouver tout de suite Lolita. Oui, Jean-Marc. Qui est avec Alain Morisot. Oui, effectivement, Jean-Marc. Alors Alain, comme Mélodie, toi, les Sweet People, vous chantez...